Je suis au bord de l'Indre, à Saint-Hippolyte. Et ici, il y a 25 ans, le réalisateur de cinéma Tony Gatliffe est venu. Gatliffe tournait un film qui s'appelle L'Atchodrome. C'est un film sur l'histoire des Gitans, depuis le début. Gatliffe lui-même est moitié gitan, moitié manouche du côté de sa mère. Et toute sa carrière, il a consacré des films magnifiques d'ailleurs à son peuple. Mon film préféré de lui, c'est Swing. Quand j'ai vu ce film, j'étais bouleversé. C'est magnifique, la musique est magnifique aussi. C'est ici en Indre-et-Loire. Il y a beaucoup de manouches. Parfois on les appelle manouches, parfois roms, parfois romanichels, parfois bohémiens, parfois sintri, parfois gitanes, tziganes. Les gens de voyage, c'est le terme correct, sauf que c'est complètement incorrect. En France, seulement 2% des manouches voyagent beaucoup. La plupart sont quasi sédentaires. Ils se déplacent entre un camping et un autre pour voir des amis, mais pas grand-chose. En venant ici aujourd'hui, je suis passé devant trois campings de gitans, à Perrusson, à Saint-Germain et ici à Saint-Hippolyte. Tony Gatliffe est venu ici, son film L'Atchodrome est tourné un peu partout dans le monde, mais il est venu ici parce qu'il cherchait les manouches qui se déplaçait toujours avec les roulottes tirées par les chevaux. Et il en a trouvé à Perrusson. Le camping des manouches à Perrusson, c'est en face du centre Leclerc. C'est une sorte de terrain vague. Mais l'État fournit de l'eau et de l'électricité. Ce camping est toujours là. Et là, il a trouvé ce qu'il cherchait. Les vraies manouches, comme autrefois, pas motorisées, avec les roulotte et les chevaux. Et il se trouve qu'il y en a toujours. Moi, j'en ai filmé dans un autre film. J'en ai vu tout à l'heure. Les roulottes qui doivent dater des années 20 ou 30, les chevaux. Mais la plupart aujourd'hui ont des véhicules motorisés. Et c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, Tony Gatliffe est venu ici, dans ce champ, pour filmer une séquence où les manouches donne à boire à leurs chevaux dans la rivière. C'est une séquence très poétique. En France, il y a environ 600 000 manouches, un peu partout. C'est les gens qui vivent une vie parallèle, on peut dire, à la vie française, avec beaucoup de méfiance réciproque. De la part des manouches, c'est peut-être pas étonnant.
Ils sont persécutés depuis le 11e siècle. C'est les gens qui viennent à l'origine du nord-ouest de l'Inde. Ils sont assez basanés, même aujourd'hui. Et on voit le génotype indien dans la morphologie et le peau. Ils étaient persécutés, ils étaient chassés de l'Inde par les Turcs iranisés dans le 11e siècle. Ils sont arrivés en France dans le 15e siècle. Et puis, dans la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, Hitler a ordonné l'envoi des gitans dans les camps de concentration avec les Juifs et tous les peuples non désirables selon le Troisième Reich. Donc, le mot chez les Manouches pour l'autre, c'est gadjo. Et gadjo, il faut se méfier du gadjo. Réciproquement, on trouve en France que beaucoup de gens se méfient des Manouches. On considère que c'est des délinquants, on considère que c'est des voleurs, on considère qu'ils n'ont pas le droit de s'installer n'importe où, dans n'importe quel champ. Il y a 40 sites en Indre-et-Loire, dont 27 autorisés, 13 c'est du camping sauvage. Et les municipalités ne sont pas contents. Quand Tony Gatliff est venu ici avec les Manouches de Perrusson, ils étaient en train de se baigner là dans la rivière avec les chevaux quand le propriétaire des champs en face est venu pour dire « Cassez-vous, vous faites peur à mes vaches n'aiment pas votre musique, mes vaches n'aiment pas les roulottes. » Donc c'est vraiment, ça c'était il y a 25 ans, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est les Manouches, ils sont les marginaux par choix. Ils ont décidé de vivre leur vie dans leur tribu, dans leur famille. La famille est tout pour les Manouches. Les enfants sont scolarisés en France, mais pas de façon continue. Et la moitié ne termine pas l'éducation primaire. Donc pour les Manouches, ça se voit dans les films de Tony Gatliff, la famille, le tribu, la musique, la solidarité entre eux est primordiale. Il paraît que c'est en train de changer un peu parce que aujourd'hui, les jeunes Manouches, ils ont tous envie d'avoir leur permis de conduire, ils ont tous le téléphone mobile. Et qui dit téléphone mobile dit Internet et Facebook. Et une interface avec la société qui les entoure. Donc il y a de plus en plus de jeunes Manouches qui cherchent à faire des amis parmi les Français. C'est sans doute une bonne chose. Mais aussi, une conséquence, c'est que leur culture est progressivement diluée, on peut dire, par cette intégration. Entre parenthèses, une Manouche, c'est une ethnicité, ils ont leur propre drapeau, mais sans territoire, sans terrain, sans pays. Et c'est plutôt rare aujourd'hui sur la planète Terre de trouver une race qui n'a pas de racines. Enfin, si, ils ont des racines, mais qui n'a pas de terre qu'ils peuvent appeler leur terre. Et c'est pour ça que on les appelle peut-être les gens de voyage, parce que c'est des nomades, c'est les gens qui partent, qui bougent et qui ne sont pas ancrés dans un pays. Une chose touchante, je trouve, c'est leur attitude vis-à-vis de la mort et du temps. Le temps n'existe très peu pour les gitans. Et la mort, on le voit dans le film Swing de Tony Gatliff, quand le vieux Manouche, le guitariste, meurt, on brûle toutes ses affaires, son caravane, toutes ses possessions, son guitare, tout est brûlé. On efface toute évidence de son existence. Et il paraît que même aujourd'hui, si quelqu'un meurt dans la communauté Manouche, on ne prononce même pas le nom par la suite. Le nom est tabou. Et c'est comme si ils sont effacés de l'existence. Le monde revient au vivant, si vous voulez. Évidemment, si Tony Gatliff
adore les gitans. Surtout, il adore la musique gitane, qui a transformé la musique mondiale. Le flamenco, ses racines sont dans la musique gitane. What a boy. Did you see a duck in the river? Is that why you're barking? What are we going to do with you? Take you for a walk, I suppose. Bonjour. Bonjour. He's not saying hello, he's trying to shake the flies off him. Passe kai
Uhuruka, venez pas se gêner. Kanehi, marotiro pas se kai. Ah, ven faras meni apiraisa. Qui prévatra chunka kira. Kote ham halota ketene. Qui bachra un kila, un pilla. Diken, o que ven. Mare menchi. Kaidika. Budega on a dit crap lenge ishkana krasi iba ria Faras meni apiraisa, que prévatra chunka kera. Kota ham halo ta ketene, que bachra un pia un kela. Lang sauvage, chama, revadi. Hashukahi te haltu kevi tadike kuhaim logo kova palenjala tiruji passe pre. Ah, ven faras mini apiraisa, qui prévatra chunka kera. Kote ham halota ketene, qui bachra un pia un kela. Derrière moi, là-bas, il y a le site des manouches de Saint-Hippolyte. Je pense qu'il y a une dizaine de caravanes. Il y a même une roulotte à l'ancienne et il y a des chevaux. Tout pour plaire à Tony Gatliff. La plupart des Français que je connais ont un avis très défavorable des manouches pour les raisons que j'ai expliquées, les préjugés. Et de la même manière, les manouches nous regardent comme des gadjos, les autres. Moi, je ne partage pas cet avis défavorable. Je pense qu'il faut vivre et laisser vivre. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir les gens qui ne partagent pas notre ancrage dans la matière et qui vivent de manière plutôt simple et en contact avec la nature. Peut-être quelque part, ils ont quelque chose à nous montrer. Et quand on regarde les films de Tony Gatliff, c'est ça qu'on constate aussi, qu'il y a une autre façon de vivre. On n'a pas envie de vivre dans une monoculture où tout le monde est pareil. Voilà. Here ends the sermon for today. And here ends les manouches de Saint-Hippolyte. Thank you.